Madagascar. 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 Salut les potes! Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de notre voyage à Madagascar. Nous allons continuer ensemble à explorer la francophonie de ce pays qu'on appelle aussi la Grande Île. Alors ce que j'ai entre les mains et qui sent très bon, c'est le trésor de Madagascar, c'est de la vanille. Elle s'exporte sur tous les continents. Madagascar est le premier producteur mondial. Et nous sommes ici à Sambab, on l'appelle aussi la capitale mondiale de la vanille. Et dans cette capitale, au parfum vanillé, la francophonie est bien vivante, et ce, grâce à l'Alliance française. Bienvenue à l'Alliance française de Sambab. Cela fait 34 ans que l'Alliance française a été fondée à Sambab. Les jeunes y viennent de toute la ville prendre des cours de français, lire des livres dans la bibliothèque et même danser, la grande passion de la jeunesse malgache. Bonjour, je m'appelle Arsiana. Ma chanteuse préférée, c'est Céline Dion. L'année dernière, j'ai remporté le concours de fête de la musique de l'Alliance française. Cette année, je vais l'emporter aussi. La fête de la musique est l'un des temps forts culturels de l'Alliance française. Les étudiants passent des sélections pour chanter le 21 juin lors d'un grand concert au cœur de la ville. Pour l'Alliance française, le français n'est pas qu'une langue pour chanter. C'est aussi une langue utile dans le secteur d'activité phare de Sambab, la production de vanille. Pour me parler du programme de formation aux Français des planteurs de vanille, j'ai rendez-vous avec Camille, la directrice de l'Alliance française. Salut Camille. Salut Yvan. Ravi de te rencontrer. Bienvenue à Sambab. C'est beau ici. Bah ouais, on est à l'embouchure du fleuve Sambab, qui a donné le nom à la ville. Donc Sambab, c'est la vanille. Tout à fait. Donc ça a un impact sur la vie de tout le monde dans la ville et dans la région. Donc c'est important de comprendre d'où ça vient. Pour ça, on va en pirogue. On y va en pirogue, tout à fait. Bah, on y va. Mais c'est dur. C'est dur, non ? Pirogue Bosco. Pirogue Bosco. Là, on va voir un champ de vanille. Mais vous avez un projet spécifique autour de la langue française là-bas. Tout à fait. On travaille avec des exportateurs de vanille ou des ONG qui travaillent avec les planteurs pour améliorer les compétences linguistiques en français des enseignants des établissements scolaires en Brousse. Pourquoi c'est important d'améliorer la langue française ? Le français, c'est la deuxième langue officielle de Madagascar et la majorité des programmes scolaires sont en français. Donc en Brousse, comme là où on va, et là où travaillent les planteurs, beaucoup d'enseignants sont recrutés juste après le brevet et ont un niveau de français très très faible. Donc on travaille avec eux pour améliorer leurs compétences linguistiques et leurs compétences pédagogiques. Ils prennent même leur moto sur la pirogue. Ah oui, bah comme là. En Brousse. Ah ouais, ah ouais. Exactement. D'accord. Voilà. Hop. Merci. Hey, très sympa cette balade en pirogue. Bah super que ça t'ait plu parce qu'on continue en taxi-moto maintenant. Ah ouais, en taxi-moto, ah, ça se mérite la vanille. Tout à fait. C'est l'aventure tous les jours à Sambab. Vers l'infini et la vanille. Les beaux gosses, salut. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Elle est belle cette moto. Donc en fait la moto c'est vraiment le moyen de transport ici à Sambab. Oui, il n'y a pas de route carrossable, du coup tout le monde utilise les taxis-motos. D'accord, on va prendre l'autre. Allez. Super. Au revoir. Du coup on part au village, on va retrouver Emilien Jérôme, le directeur de l'école publique. Il est aussi planteur de vanille et il travaille avec l'ONG Vanille Durable Bémanet. D'accord, et on part tous les deux sur cette moto. On part tous les deux en taxi-moto avec notre super chauffeur. Salut, ça va ? Allez, on y va. C'est parti, l'aventure de la vanille continue. Allez. Sur les routes de Madagascar. Ça tient ? Allez, chauffeur. Allez.
Elle est immense, Camille, cette cocoteraie. Oui, c'est la plus grande cocoteraie de Madagascar. Ça s'appelle la soie vanyou. La soie vanyou, ça veut dire quoi? La noix de coco du bonheur. La noix de coco du bonheur. Bah, c'est pas vrai, bah, c'est ça. Moi, je suis en plein bonheur. D'accord. On va retrouver Émilien Jérôme. Donc lui c'est un producteur de vanille comme beaucoup de gens ici dans le village. Voilà, la plupart ont une petite parcelle. D'accord. Et ils récoltent pendant la campagne. Merci. Wouh ! Ça y est, Camille. On est arrivé. Ah, c'est super beau. Ah, elle est là. Bonjour, Émilien Jérôme. Bonjour. Bonjour. Je suis le directeur de l'école en Tongpatch et je suis un planteur de vanille. Donc, tu es à la fois directeur de l'école et planteur de vanille. D'accord. Tu me montres une parcelle? Super, on y va. Ça y est, là, Émilien, c'est le champ de vanille. Comment elle pousse la vanille? Pour la vanille, on prend les lianes qui font environ 1,50 m. On les plante dans le sol. Après quelques mois, cela va donner des racines qui vont s'accrocher à l'arbre. C'est comme ça que pousse la vanille. Donc ça, c'est la gousse de vanille, mais elle est verte. Oui, c'est la gousse de vanille, mais verte. En fait, pour arriver à ce stade-là, une fois que les lianes produisent des fleurs, il faut les polliniser à la main, parce qu'à Madagascar, il n'y a pas d'insectes qui pollinisent les fleurs. Après 9 mois de maturation, on les récolte, on les fait bouillir, sécher, et c'est là qu'elles deviennent noires. Donc en fait, c'est ça toute la difficulté de l'exploitation de la vanille à Madagascar, c'est-à-dire que vous pollinisez, vous fécondez toutes les fleurs de la gousse de vanille à la main. C'est cela qui est très dur à Madagascar, car sans fécondation manuelle, il n'y a pas de récolte. Émilien Jérôme, qu'est-ce qu'elle représente, cette vanille qui est à la fois un fruit et une épice? Pour moi, la vanille représente un trésor, et c'est une source de revenus pour nous, les habitants de Madagascar. La vanille est le trésor de Sambav et de Madagascar, mais c'est un secteur fragile, en proie à la spéculation et à la concurrence. Pour que les planteurs comme Émilien, Jérôme, puissent vivre décemment de leur récolte, il est accompagné par l'ONG Vanille Durable Bébané Kiva, notamment pour une culture respectueuse des ressources et pour une réduction effective du travail des enfants dans les plantations. En termes d'emploi, la vanille fait vivre en effet toute la région. Jean-Philippe est belge, sa femme Belinda est malgache. Tous les deux ont créé Manex Vanille qui exporte leur production dans le monde entier. Des chocolatiers de renom sur tous les continents leur passent des commandes de gousse au gramme près qu'ils envoient dans des boîtes en bois comme des coffres à trésors. Pour Belinda et Jean-Philippe, la vanille est une passion, mais c'est d'abord une aventure collective et un moyen de créer des emplois dans cette partie de Madagascar. Un homme veut d'ailleurs transformer Sambav, c'est son maire, Judicael Ramangalaza. Cet enfant du pays est parti 15 ans en France où il a été plusieurs années animateur au Futuroscope de Poitiers. Comme il le dit lui-même, son corps était en France, mais son esprit à Madagascar. Fort de cette expérience à l'international, il décide de revenir à Sambav pour développer sa ville, notamment dans le domaine culturel, en créant par exemple pour les enfants une médiathèque gratuite et ouverte à tous. Je ne pouvais pas partir de Sambav sans rencontrer cette personnalité à l'énergie communicative. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Ça va, Judicael? Ça va, Yvan. Ça vit, hein, Sambava? Oui, oui, ça bouge parce que mon slogan ici, c'est Sambav Vovo. Ça veut dire quoi? C'est le nouveau Sambav. Sambav, c'est bien sûr la capitale de la vanille. C'est la capitale mondiale de la vanille même parce que en termes de qualité, en termes de quantité, c'est la vanille naturelle bio qui sort d'ici et produit rien que pour Sambav l'entière de la production nationale. Pourquoi tu aimes Madagascar? Madagascar, c'est un pays riche en biodiversité, en faune, flore,
sous-sol et plein de potentialités économiques. Et pas que la vanille. Ah non, pas que la vanille. Ici, par exemple, le tourisme. On ne parle pas souvent à Sambave du tourisme. Mais ici, on va mettre en place un village touristique, ici même. Il y a beaucoup, beaucoup de richesses. Et surtout, richesses culturelles. Les gens s'aiment, aiment bien accueillir, échanger, partager. Nous partageons ce que nous avons, le peu de ce que nous avons. Mais c'est un beau pays, c'est un pays magnifique. Et ma ville, moi, je l'adore. Sambava Vovo, faut pas oublier. J'oublie pas. Sambava Vovo. Salut, à bientôt. Merci. Ciao, ciao. Direction maintenant le nord de Madagascar, je vous amène à Diego Suarez. Mais d'abord, on va faire un petit crochet par Mouramang, c'est au centre du pays, pour vous faire découvrir une formation étonnante en langue française. Bonjour madame. D'accord. C'est bon, on est là, on est prêt. La ville de Moramanga est une étape incontournable de la route qui relie la capitale, Antananarivo, à la côte est de Madagascar. C'est ici que se trouve l'une des plus grandes écoles de gendarmerie de tout le pays. Ce matin, Robin part en patrouille avec deux autres collègues. Nous allons faire la mission de patrouille de la ville pour faire la sécurisation des villageois. Patrouille de jour. Le père de Robin était lui aussi gendarme. Pour lui, ce métier n'est pas seulement une histoire de famille. Comme pour beaucoup de ses collègues, c'est aussi une passion. C'est à cause de l'insécurité. Je veux être protégé, ma famille, les gens, les peuples aussi. C'est pour ça que j'ai choisi mon métier d'être gendarme. Il y a beaucoup de monde qui circule, qui vient nous demander. Donc il faut expliquer en français. Il y a pas mal de gens qui passent ici souvent. Donc c'est presque, ce sont des Français qui ne savent pas parler malgache. La langue française est au cœur de la formation à l'école supérieure de la gendarmerie nationale de Moramanga. Robin, comme tous les élèves de l'école, suit des cours de langue avec des professeurs de français malgache, mais aussi français. Donc un accident, c'est quelque chose qui a des conséquences relativement graves, d'accord? Alors qu'un incident, bah, généralement on parle d'incident mineur. C'est le fruit d'une coopération étroite entre l'ambassade de France à Madagascar et l'école de gendarmerie de Moramanga. Richard est un professeur français affecté spécialement au sein de l'école pour dispenser des cours de langue française aux gendarmes. Dans le cadre de leur fonction, ils seront amenés justement à communiquer à la fois avec la hiérarchie, d'accord, mais également avec le public. C'est eux qui vont faire des comptes rendus, des rapports, etc. quand il y a des événements particuliers. Donc c'est eux qui vont prendre la parole. On essaye de revenir constamment à des exemples de la vie professionnelle. Il y a un but utilitaire, effectivement, à l'usage du français. Mais le sésame pour tous ces gendarmes qui apprennent le français, c'est le DELF, le diplôme d'études en langue française, et le DALF, le diplôme approfondi en langue française, délivré par les autorités éducatives françaises et son opérateur, France Éducation Internationale. Pour passer le DELF et le DALF, les gendarmes se rendent à des sessions d'examen à l'Alliance française de Moramanga. C'est le cœur battant de la francophonie dans cette ville. L'Alliance française propose des cours de français au jeune public. Est-ce que vous aimez les animaux ? Oui ! Mais aussi aux adultes de la ville. Elle dispose d'une grande bibliothèque où les enfants participent à des ateliers lecture en français. Plusieurs fois par an, elle organise des sessions d'examen du DELF et du DALF. Les gendarmes sont un public particulièrement motivé. S'ils obtiennent ce diplôme qui certifie leur niveau de français, ils bénéficient d'une augmentation de salaire. Cet examen vient couronner une intense coopération entre la France et Madagascar pour la formation des instructeurs de la gendarmerie. Un sous-officier est présent toute l'année à l'école auprès de son directeur, le général Rabé Mananjara. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur le général. Pour cet ancien élève de l'ENA et de Saint-Cyr en France, ces cours de français sont essentiels. C'est important de parler français pour ces stagiaires et ces cadres que vous voyez ici, puisque premièrement, tous les documents administratifs sont rédigés en français. Deuxièmement, parce que les cours se font en français. Et pour la troisième raison, c'est que ces gens seront confrontés à plusieurs types d'infractions qui pourraient impliquer des ressortissants étrangers, notamment français. Les gestes que vous allez mettre en œuvre peuvent vous sauver la vie et sauver la vie de vos hommes. J'aime ce métier.
J'aime ce métier qui est au contact des hommes. Je suis content, chaque jour qui passe, de transmettre, de partager ces connaissances dont je dispose le peu. Ça va ? Ça vient, mon Dieu. Comme l'a dit Spinoza, la connaissance est le seul bien qui ne diminue pas de valeur lorsqu'on le partage. Diego Suarez, qu'on appelle aussi Antsiranana, est la grande ville du nord de Madagascar. Pour la découvrir, j'ai rendez-vous avec Serge, qui est animateur culturel à l'Alliance française. Mais Oxy, c'est son nom de scène, car Serge est aussi un chanteur. Il m'attend à l'aéroport près du Culturebus, qui permet d'emmener la langue et la culture française dans toute la région de Diego Suarez. Salut Serge. Salut, ça va? Ça va. T'as fait un bon voyage? Super. Bienvenue. Hein. Ben merci, je suis ravi d'être à Diego. Bienvenue à Diego, il y a déjà le Culturebus. Il est là le Culturebus? Oui, 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 il est là notre Culturebus. Il est beau? Il est beau, il est jaune, il est Diego quoi. Et on passe pas inaperçu avec lui? Voilà, on passe pas inaperçu, on va découvrir Diego avec ça. Ouais, super. Ouais. Et c'est parti. Merci. L'osso attire. L'osso attire. Et là, tu m'amènes où, Serge ? Là, je t'amène au Place Joffre. Parce que passer à Diego sans faire Place Joffre, c'est pas passer à Diego. Ouais, c'est parti. C'est parti. Losotska. Losotska. Serge, voici la fameuse place du Maréchal Joffre. Voilà, c'est ici la place Maréchal Joffre. En gros, c'est lui qui a réorganisé la ville avec les hôpitaux, mais surtout le port. Cette statue, c'est aussi la marque de la présence de la colonisation française ici à Madagascar. Voilà, c'est la marque de cette colonisation. Les bateaux entrent de Vavalapas, débarquent ici, déchargent et rechargent tout ce qu'il faut pour repartir en mer. Tu m'emmènes où maintenant ? Maintenant, on va passer par l'hôtel de la Marine et Place Musique. Ouais, on y va. Ok, c'est bon. C'est parti. Ok. La tête. Ah ouais, c'est secret. Ouais. C'est ça l'hôtel de la Marine. C'est ça l'hôtel de la Marine, qui a été bâti en 1925 par un découvreur des mines. C'est avec l'or qu'ils ont plus fait bouger les choses. Il n'en reste pas grand-chose. Mais maintenant, il n'en reste pas grand-chose, ouais. Parce que Diego a vraiment gardé ça, hein, ce caractère colonial. Oui, c'est une ville qui garde beaucoup son caractère colonial. Et quand on va passer dans la ville, il y aura des bâtiments coloniaux quelque part qui est toujours resté debout. Imaginons que... retour dans le temps, 1925. On est là. On est là. Les gens bien habillés. Voilà, bien habillés. Il y a les passages, le piano qui joue, le bar, l'entrée, le bar, les comptoirs, la réception et une douce ambiance. On ferme les yeux. Voilà, on ferme les yeux. Il est joli ce kiosque, sa musique. Ouais, c'est ici la kiosque et c'est là que toutes les fêtes de musique se font. Ouais. Il y a les artistes en haut, le public ici en bas, assis ou debout, prêt à envoyer quoi. Et là, on a une vue mais incroyable sur la baie quoi. Et il y a le soleil aussi qui est là, qui est au rendez-vous. Serge, le soleil, le kiosque à musique et cette vue. C'est pas un endroit idéal pour faire une petite chanson, ça ? Ouais, une petite chanson. Petite chanson. Petite chanson. Quelle chance quand même.
tous les matins de pouvoir se réveiller devant une vue pareille. Ah oui, oui, cette ville de Diego, elle m'inspire. De même, j'ai écrit une chanson sur la ville qui s'intitule « Etu Ninei ». Natia fakato mobile timangai fazing fahitune na miargo dalala be mala matone ma viamne eto eto eto, c'est ici. Et peu importe les difficultés, les routes sont difficiles, il y a trop de boue, il y a des chaleurs, la vie c'est dur, mais c'est ici chez nous, c'est Diego, c'est ma ville. Et on est pas mal chez toi. Voilà, Losetska. Losetska. OK. C'est trop beau. Serge me propose de rencontrer Sophie, la directrice de l'Alliance française de Diego. C'est l'une des plus belles alliances du réseau malgache qui en compte 29 sur tout le territoire. Installée dans un ancien marché couvert au cœur de la ville, l'Alliance française propose des cours de français, un accès libre à la médiathèque, des résidences d'artistes et une programmation culturelle qui fait vivre la francophonie dans tout le nord de Madagascar. Sophie m'attend près du Culturebus, une initiative très originale de l'Alliance française de Diego Suarez. Le Culturebus est là et Sophie aussi. Salut Yvan, salut, ça Sophie. Va Le Culturebus, c'est bien rempli. C'est bien rempli, on a tout ce qu'il faut, les instruments, les tables, les chaises, les nattes, le vidéoprojecteur. Tout ça pour faire des animations. En animation, dans un village de Brousse, d'accord. Le village de Betaich. D'accord. Et si t'es prêt, on va partir avec Serge et Fita, qui est responsable du Culturebus. Salut Fita. Et nos animateurs nous attendent là-bas. Bah super, on est parti. Et avec Justin, tu veux faire. Que je connais bien. Allez, on y va. Voici dans le village de Betaich. C'est parti. Allô, ça se passe. Papaye, vite. Pourquoi toi t'aimes bien animer ces jeux avec les enfants? Les enfants, ça me donne vraiment de l'énergie. Ouais. Avec les enfants, c'est la vie. Et j'ai vu, tu parles parfois français, parfois malgache, tu mélanges vraiment les langues. Ouais, c'est important de mélanger les langues parce qu'il y a des enfants qui connaissent le français, il y a des enfants qui ne connaissent pas le français, il y a des enfants aussi qui ne connaissent pas bien le malgache. Et donc ça colle avec tous les enfants. Ça colle bien. Vous allez prendre le livre avec ce monsieur et les autres avec la demoiselle. Fernand le gourmand. Fernand le gourmand. Pourquoi c'est important pour vous de faire venir le Culturebus jusque dans ce village? Le livre, par exemple, n'est pas présent dans le village, n'est pas présent dans les... Même à l'école du village, il n'y en a pas ou peu. Donc c'est vraiment important de venir ici, d'apporter cette opportunité pour les enfants de lire les livres, de les toucher, de découvrir l'objet. Oui, ils n'ont pas de contact avec les livres. Ils n'ont pas de contact avec les livres, voilà. Là, il y en a qui ne savent pas lire, mais ils ont juste les livres dans les mains et c'est important. Et ensuite, dans une deuxième partie de l'animation, il y a Jessica qui va lire un livre devant eux, raconter l'histoire. Je vais vous lire Salut Petit Pois. Salut. Salut l'épouvantail. On essaye aussi de mixer toujours avec un côté plus artistique, en prenant des artistes locaux comme là, l'association Kid Hypercu qui va jouer tout à l'heure de la percussion devant eux. Donc ils vont jamais à l'Alliance française. Donc ils vont jamais à l'Alliance française. Voilà, l'Alliance française est beaucoup trop loin pour eux, ça a un coût beaucoup trop élevé. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a une timidité des gens à aller jusque dans l'Alliance française. Donc il est vraiment important qu'on aille vers eux. C'est ce qu'on fait aussi sur nos programmations culturelles. On va dans les quartiers, on fait beaucoup de hors les murs pour toucher ce public qui en fait n'a pas le réflexe de pousser les murs de l'Alliance. Et partout, on se rassemble. C'est une alliance mobile quelque part, qui amène l'Alliance
auprès des gens. Et qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu viens ici, dans ce village, quand tu vois tous ces enfants en train de lire des livres ? De la joie de pouvoir apporter des petits moments différents dans la vie de ces enfants, des moments d'ouverture sur autre chose, sur le livre, sur la culture. À ta voisine et au revoir à ton voisin. Qui sont les gros, sont les filles et les gars qui se disent au revoir comme ça. J'espère que ce voyage en francophonie à Madagascar vous a plu. Je n'ai qu'un seul conseil, venez dans ce pays aux multiples visages, venez découvrir une nature que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et puis, il y a ce sourire, cette gentillesse, cet accueil des Malgaches. Rien que pour ça, mais aussi, vous l'avez compris, pour plein d'autres choses, ça vaut le coup de venir sur la grande île. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut !